membre fédéral du comité fédéral de la FSAM et le directeur de Mousso de l'édition 2020, la 7e édition. Qu'est-ce qui nous attend le 8 mars ? Oui, en fait, c'est une course dédiée aux femmes, le trophée Mousso, qui est destiné seulement aux femmes, qui se faisait en général avec deux journées, mais cette année, on s'est dévoué quand même à faire une journée qui est le dimanche 8 mars, journée de la femme, qui est sur un circuit parallèle de maniabilité et de vitesse pour les femmes. Sur une distance entre 250 et 300 mètres. Ok, tantôt vous avez parlé de relancement du trophée après 13 ans de l'État. Est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi vous avez décidé de l'activer ? En fait, là, je peux dire qu'on n'avait pas... toute cette période, je pourrais dire que c'est dû à... on n'avait pas assez de sponsors. Et c'est vraiment un trophée privé et que l'organisateur n'arrivait pas à boucler son budget pour pouvoir faire face aux événements. Donc l'objectif reste de pérenniser le trophée. Tout à fait. Bon, je pense que cette fois-ci, comme nous avons nos propres véhicules, parce que comme l'a si bien dit l'organisateur Maudo Guirando, on a démarré avec des 405 à l'époque. La première et deuxième édition, on nous a même prêté des véhicules. Mais cette fois-ci, je pense qu'on peut pérenniser dans la mesure où nous avons nos propres véhicules. Et moi, à l'époque, je voulais, comme l'a si bien dit Célia Cissé, j'avais l'intention de déplacer le Mousso dans les régions, puisque moi, je me disais toujours, une Mousso pouvait se cacher au niveau des régions à l'intérieur. Est-ce qu'on peut avoir une idée des récompenses que gagneront les... Bon, là, on a quand même... les récompenses, c'est qu'on a des grandes coupes et des médailles en or, en argent et... en bronze. Et qu'on a beaucoup de lots et toutes les mousseaux seront primées, en fait. Bonjour, je m'appelle Anaëlle Matos. Je suis directrice de crèche, la crèche au cœur du bonheur située à Sautrac-Mermoz. C'est la première fois que je vais participer à une course automobile et encore plus à Dakar. Donc je trouve ça assez sympa. C'est pas du tout pour de la compétition, c'est plus dans le but de m'amuser et de participer à un sport automobile parce que j'aime bien la vitesse et les voitures. Mon mari est en fait champion de moto à Dakar, c'est Stéphane Wone. Et du coup, il est en collaboration avec la fédération qui m'a proposé de participer à la course. C'est votre première fois ? C'est ma première fois, oui, tout à fait. Ben, du coup, que c'est une belle compétition, c'est une belle organisation, que c'est sérieux, il y a de la sécurité et c'est sponsorisé. Donc, pourquoi pas inciter les jeunes filles et même les personnes d'un certain âge à participer à la compétition. Eh ben justement, ce serait l'occasion pour sensibiliser un peu tout le monde et dire que les femmes, elles ont autant d'importance que les hommes et pourquoi pas, elles pourraient participer à des courses de voitures, de motos, de tous les sports automobiles. C'est ouvert aux femmes aussi. Un petit peu pareil que Anaëlle, c'est ma première participation également. Et le but est de passer une agréable journée, surtout que le trophée Mousso reprend le jour de la journée de la femme. Donc c'est une occasion... De mettre à profit cette journée. Et donc je n'ai jamais du tout fait ce genre de compétition, mais du coup c'est vraiment un challenge. Et puis le faire aussi, on le fait à deux, du coup c'est histoire de se motiver aussi à deux et de passer une agréable journée. Je m'appelle Redijane Diaissar. La première, oui. Ben déjà, c'est très très bien qu'on remette une course comme ça exclusivement de femmes d'actualité. Et je suis très 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 heureuse de participer. Et en ce 8 mars, on ne pouvait pas arriver mieux. Donc ça tombe à pile parce que c'est la journée de la femme. Donc quel message avez-vous à dire ? On est toutes ensemble, on est toutes unies. Voilà, beaucoup plus de choses pour les femmes, beaucoup plus de droits pour les femmes, encore et encore. Un, de m'amuser, et deux, de gagner. Alors vraiment, faut pas avoir peur, parce que moi j'ai un peu peur, mais on essaie de mettre tout ça de côté et d'y aller à fond. Toutes les peurs, on les met de côté et on regarde droit devant et on fonce.